l'heure, il était là, à se plaigner qu'il avait faim et tout, et du coup, qu'elle avait la voiture. Elle rentrait dedans et bah, bon, il a oublié tout ce qu'il y avait sur sa tête pour avoir faim. Il était super contente, bien amusée, et voilà. Reinati, 4 ans, est la première petite patiente à conduire cette auto miniature dans les couloirs de la chirurgie infantile du CHU Sud. Grâce au soutien de ses partenaires, le CHU de La Réunion s'est doté de 5 voiturettes électriques, 2 voiturettes en chirurgie ambulatoire au CHU Nord depuis fin 2018, et donc 3 voiturettes dans le Sud tout récemment. On y va ? On a la chance d'avoir des partenaires effectivement qui nous proposent régulièrement de nous financer des actions destinées à améliorer le bien-être de nos patients, en particulier de nos petits patients de pédiatrie. Et donc là, grâce au partenariat qui a été établi avec l'association Table Ronde, avec la Cémitel et avec Hopipark, on a pu effectivement acquérir plusieurs véhicules qui permettent aux petits patients de pédiatrie eh bien, d'aller au bloc opératoire en toute décontraction, avec même enthousiasme, et donc de diminuer ainsi le stress qu'on peut imaginer quand on a cet âge-là et qu'on doit subir une intervention chirurgicale. Ça fait quelques temps qu'on voit ce genre de dispositif se déployer un petit peu dans tous les hôpitaux. Il en existe aussi dans les autres établissements de La Réunion, hein, et c'est maintenant reconnu, puisqu'il y a quelques années de recul, eh bien, ça apporte beaucoup déjà dans la préparation de l'hospitalisation, puisque dès la consultation, les patients et les parents sont informés qu'il y aura la possibilité de se rendre au bloc de cette façon. Donc il y a un petit aspect un peu ludique et amusant et enthousiasmant qui fait que l'hospitalisation est vécue avec beaucoup moins d'appréhension. Puisqu'on se doute bien que c'est un épisode un petit peu angoissant pour tout le monde. Donc l'enfant grave Nati, tu t'appelles comment? Quand elle n'a pas mangé ou quelque chose. Papa et maman vont attendre hier, d'accord? Parce que tu vois, toi t'es habillée, les dames elles sont habillées, papa et maman ils sont pas habillés. Donc eux ils peuvent pas rentrer derrière, d'accord? Donc ils vont attendre derrière la porte. Avec ta voiture, d'accord? Et dès que tu auras fini, on revient te chercher, ok? Comme ça ils gardent la voiture au parking. Et dès que tu auras fini, papa et maman ils vont amener la voiture. Un centre de réveil, d'accord? Et tu vas rentrer dans ta chambre avec ta voiture. Ok, ils vont garder la voiture au parking, le temps que tu fais petite dodo. Puis c'est passé très bien. En plus, on a eu aujourd'hui la chance d'avoir un enfant bien sympa et tranquille. Et donc, elle est descendue, elle est arrivée au bloc tranquille, rigolant. Elle était prise en charge par l'anesthésiste. Et après, elle attendait de nouveau la voiturette pour remonter dans les services au réveil. C'est une façon moyenne de rendre le parcours opératoire et donc descendre les enfants au bloc moins stressant. Ils sont rassurés, ils voient ça comme un jeu. Et donc aussi au niveau médical, c'est plus intéressant parce qu'on diminue aussi, même quelquefois on ne fait pas des prémédications, c'est une forme d'anesthésie, pré-anesthésie, qu'on ne fait pas quand les enfants ils sont détendus, ils rigolent, ils descendent au bloc rassurés. Tout ce projet a été possible grâce au concours et à la coordination de l'ensemble des équipes, puisque ça nécessite de petites adaptations, surtout une modification des habitudes, mais ça rentre dans le cadre du grand projet de prise en charge du patient debout, où le patient se rend à ses soins en préopératoire de manière tout à fait naturelle, comme il s'est rendu à l'hôpital. À partir du moment où il n'est pas malade, il peut tout à fait se rendre au bloc opératoire selon le moyen de transport qu'il utilise habituellement. Donc les adultes vont au bloc opératoire debout, en marchant, et les enfants utilisent une petite voiture pour aller au bloc opératoire quand leur état de santé le permet. On ne les oblige pas à prendre la voiture, mais généralement quand on leur propose, ils sont tout à fait motivés pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.